Bonjour à tous, bienvenue sur Galou Challenge Rétro, la chaîne secondaire. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Eyo le Clown. J'avais fait la vidéo découverte sur la chaîne principale. Vous retrouverez la playlist qui lui est dédiée sur la chaîne secondaire. J'ai déjà fait d'autres vidéos, donc si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les visionner. À vous abonner à la chaîne secondaire si ce n'est pas déjà fait, à mettre des commentaires et des petits pouces, ça fait toujours plaisir et ça m'aide pour le référencement. En tout cas, je vous remercie de me suivre déjà depuis un petit peu plus d'un an. Et donc, sans plus attendre, on va continuer notre aventure avec notre petit clown favori. C'est parti! Alors du coup, on en était où? Alors la première sauvegarde, c'est ma partie off. D'ailleurs, je vais l'enlever pour pas me mélanger. Je vais la supprimer, comme ça il n'y aura pas d'erreur. Voilà, et on va jouer sur celle-ci. On en est déjà pratiquement à une heure de vidéo. On avance. Bon, il y a toujours ces phases de chargement là que je trouve un petit peu long. De nous représenter à chaque fois les commandes du jeu alors qu'on les sait déjà, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on avait terminé le monde Miam Champignon et là on va faire le monde Situation Bancale. Je pense que ça va bouger dans tous les sens. C'est parti. Vous voyez, encore ça à l'écran. J'en vois pas l'utilité, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Alors, notre petit clown, donc là pour l'instant, on n'a aucune arme pour se défendre. On avait appris un nouveau pouvoir avec le ballon. Vous voyez, on peut faire des sauts un petit peu plus haut. Après, c'est une habitude de gestuelle à prendre. Non, c'est joli ça, ces petits nuages-là. Est-ce qu'on peut marcher? Oui, on peut marcher sur les arcs-en-ciel. Nickel. Oups là. Non! Ouf, merci le ballon. J'ai un peu glissé. J'ai eu peur de perdre une vie bêtement là sur ce coup-là. Bon alors le toit qui bouge dans tous les sens, j'aimerais bien. Voilà. Ouh, il y a plein de choses en haut. Donc c'est ça qui se bascule, d'accord. C'est pour ça que ça s'appelle bancal. Là il y a un passage, nickel. Je m'en doutais. Dans la vidéo découverte, je vous avais expliqué que quand dans les décors on voyait des pièces dépassées, c'est qu'à mon avis il y avait un passage secret. Donc c'est. Est-ce qu'on va pouvoir remonter là? C'est pas sûr. Je vais essayer de me mettre comme il faut. Si, c'est bon. Grâce au ballon, on arrive quand même à faire des sauts pas mal. On a quoi comme arme au fait? D'accord. On l'avait toujours pas eu celle-là encore, c'est une nouvelle. On va l'essayer sur lui là. Pouf. bon, faut que je fasse attention de ne pas tomber. Ah, j'ai loupé le ballon. Voilà. Ok, on va se faire celui-ci. Tu t'approches, attention. Paf! Ah, ça fait un sacré bruit de marteau. Hein. En tout cas, c'est trop choupi. C'est trop choupi. On va peut-être pas rester là avec la plante. Le diamant. Hop, on va aller à l'étage. Ah, un sucre d'orge, nickel. Donc pour l'instant, on a un ours et un sucre d'orge. Il nous en manque deux de chaque. Hop. Mince, j'ai un peu paniqué là. Paf. Oh, ça me fait trop rire, c'est trop drôle. Bon, pas que je veux faire du mal au monstre, hein. Mais bon, c'est trop rigolo de le taper avec un marteau. Il y avait un passage là. Ah, mes grenouilles. Je veux descendre, il y a un passage.
J'ai bien fait, il y a plein de trésors. En tout cas, on fait le plein de diamants. Bon, je sais toujours pas à quoi ça va nous servir plus tard, mais bon. Peut-être à récupérer des vies. Allez, une petite tarte. En tout cas, c'est trop marrant, je trouve, devoir penser à ça, de faire des checkpoints avec un petit personnage qui nous entarte une tarte à la figure. Ça fait vraiment clown. Et j'aime beaucoup. Ah, un personnage. Maman ours, s'il te plaît, sauve mon fils là-haut, il a des ennuis. Ok, on va déjà regarder le reste, madame. On ira un petit peu plus tard. Parce que je vois qu'il y a plein de choses là, à ramasser. Là, j'ai changé d'arme, j'ai maintenant des bombes à eau. Ok. On va l'utiliser tout de suite là. Paf. Ah mais vraiment, il est trop chou ce jeu. Au niveau du gameplay, bon, ça reste simple, mais au niveau couleur, au niveau ambiance, au niveau musique, les armes qui sont donc dans le domaine de la clownerie, je trouve que c'est très drôle. Le petit ballon qui vous permet de sauter plus haut. Donc au niveau des armes, donc on a découvert donc le marteau, la bombe à eau, il y a l'épée aussi. Il y a l'épée, il y a... Non mais c'est tout pour l'instant. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses en haut? Non, il n'y a rien. Par contre en bas, faut pas tomber, c'est ce que je me disais en bout de piste, à mon avis, en bout de... Est-ce qu'on peut s'en débarrasser, Lila? Non, c'est plus mal. Paf, on l'a déplumé. Par contre, on voit plus mon personnage là. C'est bizarre la caméra. Très très bizarre. Et on a loupé le. Ouais, il y a eu un bug de caméra là, je crois. Oula, pour un peu, je tombais. Ok. Il y a quoi en bas? Alors, et à mon avis, il y a un passage là. Vous voyez le petit truc qui dépasse là? Hop. Essayer de remonter sur le petit nuage. En tout cas, la musique, elle est vraiment toute douce, toute calme. Bon, après, je dis pas que peut-être plus tard, la musique va s'accélérer. Mais pour l'instant, c'est assez calme. Après, il y a plein de choses à ramasser, c'est cool. Je sais plus combien il nous manque de choses d'ailleurs. Il nous manque quoi là? Attends, on va attendre. J'aimerais bien récupérer la pièce à 100 que je tombe, de préférence. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à trouver? Un ours et deux sucres d'orge. Il faut pas qu'on oublie aussi de revenir. Récupérer, enfin aider le fils, mince, de maman ours. Du coup, faut pas que j'oublie de revenir en arrière. Eh ben non! Ah là là! Je sais pas ce que j'ai fait là. Ah bah du coup, on nous y remet. Ouais, mais bon. Je voulais continuer, moi, il y avait encore plein de trucs à ramasser. Parce que j'ai peur que si je vais voir le fils de maman ours, on termine le niveau. Parce que j'avais plus ou moins vu des vidéos où... Bon, après on verra. Hein. Bon, j'ai essayé de regarder très peu de vidéos quand même. Mais bon, j'en ai regardé quelques-unes pour me donner un ordre d'idée du jeu quand même avant. Non, moi ce que j'aurais au moins récupéré, c'est les petits oursons et les sucres d'orge, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir la note de A sur le niveau. Et pour l'instant, on n'a pas tout.
Oup, oup, oup. J'ai un peu chaud là. J'ai un petit peu eu chaud. Il m'a pas donné de diamant, si, je sais pas. C'est trop drôle. Bon, là, il y a quelque chose ou pas? Non, il n'y a rien du tout. Bon. Bon, on a toujours pas nos ours et nos sucres d'or. J'ai ramassé quoi? Un cœur. Les diamants. Il m'en manque un. Je vais essayer de l'attraper. Voilà. Hop. Du coup, je prends le marteau ou je lui balance de l'eau. Ah, on peut pas balancer. Ah si, on peut. Il faut que je trouve la synchronisation. Bon, allez, je prends le marteau. Ah non. Je vais pouvoir lui envoyer de l'eau. Allez. Le problème, c'est qu'on peut pas viser. Voilà, nickel. À perso, je préfère les bombes à eau parce qu'on peut tirer de loin. Mais bon, on va prendre le marteau pour changer. Ça va être drôle un petit peu. C'est vrai que les bombes à eau, ça permet quand même de viser assez loin. Il y a quoi là-bas? Oh non! J'étais rendu à quelque chose, mais je suis tombée. Bon. Bon, ça va, on reprend de là. Alors, c'était quoi? Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Un nouveau pouvoir, peut-être? Non, mais c'est pas possible! Je vais pas recommencer sans 7 ans. Il m'a touché, j'ai plus d'armes. Bon. Ça, par contre, je trouve que c'est vraiment dur de. On se fait toucher qu'une fois et hop, on perd notre arme. C'est un peu exagéré quand même. Bon, faut trouver le bon timing là avec la fleur. Le problème, c'est que je chauffe pas au bon moment. Voilà, alors du coup, c'est quoi? Pour traverser la plateforme. Ah ok, on passe à travers le décor. D'accord, c'était juste ça. Bon, au moins, on récupère un sucre d'orge. Ah non, je le descends. Ok, bah ça fait penser un petit peu à Mario. Mario, il y avait des plateformes comme ça où on fallait descendre pour passer à travers. Donc du coup, il nous manque quoi? Tu me dis plus. Alors, un ours et un sucre d'orge. Il s'endort quand on s'arrête. Du coup. Ah. J'arrive pas à attraper les pièces. Bon, c'est pas grave. On va pas se faire tuer bêtement, surtout qu'on a plus de vie presque. Alors, on a plus d'armes. Ouais, on a plus d'armes. Là, le niveau il est long quand même. Il est assez long. En plus, on n'a pas fait le truc avec le fils de maman ours. Et là, je me suis fait toucher bêtement. Il y avait quelque chose en bas, je sais pas. C'est quoi ce truc? Ah, il y a une vie. On va aller récupérer une vie. Nickel. Est-ce qu'on se tente l'oiseau là? Il y a quand même plein de pièces.
Hop là. Ok. Bon, par contre, pour remonter, on va faire comment? Là, il faut que je refasse tout le parcours. Du coup, la vidéo risque d'être longue. J'ai démarré trop tôt. J'ai eu chaud. Les amis, je sais pas si on retournera voir le fils de maman ours, hein, parce que sinon... Ah! Ah, puis on recommence de là. Bon. Pas simple. Bon, après, je me complique peut-être à vouloir faire, à vouloir tout ramasser. Mais bon, dans les petits jeux de plateforme comme ça, j'aime bien tout faire, de préférence. On n'a plus besoin de descendre. Bon, je ramasse pas vraiment tout, mais bon, c'est pas grave. On va récupérer la vie, c'est toujours ça de prix. Ok, on va revenir en arrière. Ah non! Non! Putain, j'ai eu peur. Je croyais que j'étais au-dessus du vide. Ah zut! Je l'ai eu, mais après j'ai perdu mon marteau. C'est pas grave. Bon! Ce serait bien qu'on ait un point de, comment on appelle ça, un checkpoint, là, une petite tarte, là. Une petite tarte, j'aimerais bien. Bon, tu te redresses. Ouf. Un petit cœur, ça, ça fait du bien. Un petit ours. Alors, voilà. Il manque plus que le sucre d'orge. Ah non! Bon, on a le point de contrôle déjà. Putain, ça se complique là. On va tracer. Ah non, on peut pas. Fou 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 fou. Comment on fait pour passer? Ouais, ben non. Faut passer absolument dans les bouches les monstres. Ça c'est... Ah non, on peut peut-être passer au-dessus. Saute! Mais saute! Oh, c'est pas possible. Ah bah, je me fais toucher une fois, je suis morte. Alors ça va être chaud. Je sais pas comment j'ai fait pour passer, les amis. Oh là là. Essayez de pas tomber. Bon. Un petit cœur. Et un checkpoint, ça fait du bien. Mais le niveau il dure il se zig que ça. Oh, je sens que c'est un boss. Oui, c'est un boss. Et on le tue comment? J'ai pas d'arme. Bon, on va tenter, hein. Salut, tu as l'air plutôt sympa. Tu as vu mon chien? On a vu, il est pas sympa du tout. Boss des trolls. Ok.
Hop là. Et on le touche comment? Ok, faut attendre qu'il s'écroule, qu'on lui saute dessus. Whoop. Que deux fois? Il est pas content. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oula! Et non! Éviter de se faire toucher. Ok. Il va rebondir encore. Ça, pour un premier boss, il est coriace. Ah non, bah ça, ça d'accord. Il est où là? Ah mais non! Oh là 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 là. Bon, vous savez quoi? Je vais retourner voir maman ours. Hein? Avant de se faire le boss. Je sais pas trop ce que c'était, donc on va essayer. On verra bien. On va sauver le fiston. Bah par contre, le problème c'est que pour revenir en arrière, non, non, je vais continuer, allez. Je vais continuer, tant pis. À mon avis, c'était peut-être un niveau bonus. Vous me le direz dans les commentaires si vous avez fait le jeu. Quand on répond à Maman Ours ce que c'était. J'ai quand même essayé de l'avoir, ce boss. Bon, la première phase, c'est pas trop dur. Ce qui est plus difficile, c'est après, quand il change de trajectoire. Là, il va faire des rebonds, hein, si je me rappelle bien. Il va rebondir. Non ! Pff, évidemment, si je me mets pile... Là, il va faire boum boum, je crois. Bouge. Bouge! Ou alors, faut que je saute. Je pense à marcher, mais pas à sauter. Oh non, faut recommencer du début. Mon Dieu! Moi, je vais couper la vidéo et je vais aller jusqu'au monstre en off. Et puis, je vous reprends à la fin. Nous revoilà devant le boss, les amis. J'espère que je vais y arriver cette fois. Je suis toujours là, les amis, vous inquiétez pas, je me concentre. Non.
Ah bah voilà, on a réussi. Il est devenu tout petit. Il est tout minuscule. Bon, puis on a fini le niveau. Bon, par contre, on a que la lettre B parce que je n'ai pas fait la... Comment ah mince, excusez-moi. La phase avec le fils de Maman Ours. Donc peut-être que je le referai sur une petite vidéo très courte pour vous montrer ce que c'est. Alors, il me semble que j'ai vu sur des vidéos que c'était un niveau speed. C'est un peu un niveau speedrun. C'est pas trop ma tasse de thé. Je verrai, je vous le ferai sans doute en off. Je l'enregistrerai, mais pas forcément avec ma voix. Je verrai. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Ça n'a pas été simple. Et surtout au niveau du boss, avant de comprendre le mécanisme. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir réussi. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et je vous dis à très vite sur Galou Challenge Rétro. Portez-vous bien.